Les messieurs et 4 chez les jeunes femmes. Et là, on va prendre en compte que 4 agrès chez les messieurs. Les messieurs ne vont passer qu'à 4 agrès et les jeunes femmes sur 3 agrès. Et on va additionner toutes ces notes et cela nous donnera le vainqueur de la soirée chez les hommes et chez les jeunes femmes. On retrouve la barre fixe avec un Espagnol, Victor Cano, 31e aux Jeux Olympiques en individuel. C'est un bon gymnaste. Regardez qui vous fait ici un Kovacs avec une vrille. C'est un double saut périlleux par-dessus la barre avec une vrille dans le premier tour. Tour en endo, le fameux héliqueur, les tours en dislocation des épaules. Et attention pour la sortie, la voici, la voilà. Double tendu avec une vrille dans le deuxième tour, un pas en réception. Ça va lui coûter assez cher à ce jeune homme car toute faute en réception qui est la dernière impression est en général pénalisée par les juges. Regardez l'accélération et ici. Ça monte bien haut, la vrille est bien enclenchée, mais un petit peu bassin en arrière. Petit déséquilibre. Et ça va lui coûter quelques centièmes à Victor Cano. Il est actuellement étudiant, ce jeune Espagnol. Le centre de haut niveau en Espagne est situé à Barcelone. Et c'est à Barcelone qu'il réside, effectivement. Absolument. Et chez les jeunes filles, le centre de haut niveau est à Madrid.